Nous sommes avec Jean-Michel Van den Heijn, qui est le directeur artistique et général du Théâtre de l'Ancre. Alors, on a présenté les travaux de transformation du Théâtre de l'Ancre. Il était temps, en fait, le Théâtre de l'Ancre, il existe maintenant depuis 50 ans. L'année prochaine, oui, ça ferait 50 ans. Mais donc, oui, effectivement, il était temps parce qu'à un moment donné, on était inévitablement freiné dans une poursuite de l'évolution, dans une capacité d'accueil qui, voilà, il y a 100 places dans cette salle. Donc, c'est un écrin magnifique, mais à un moment donné, en effet, vous êtes limité dans la capacité d'accueil ou dans la capacité simplement de travail, de création, puisque voilà, les murs font 6,70 m et qu'au-delà, ben, il n'est pas possible de faire entrer un décor ou un spectacle, ni de le créer. Alors le projet tel qu'il se présente, il y aura une plus grande salle finalement, il y aura deux salles. On veut garder cette on va dire proximité dans la petite salle, mais qui sera quand même un peu plus grande en termes de plateau, qui sera ouverte sur le jardin aussi. Donc ça aussi, c'est quand même assez extraordinaire de savoir qu'il y a une salle qui sera en lien possible direct avec le jardin. Et puis une salle d'une toute autre ampleur, puisque là, ce sera 400 places. Et en effet, 13 mètres d'ouverture de plateau avec des dégagements, 18 mètres de profondeur, 12 mètres de haut. Donc on est dans quelque chose qui a vraiment là une véritable ampleur et une dimension européenne au niveau de la création contemporaine. Alors, généralement, les lieux culturels sont créés ou recréés ou transformés en fonction de projets commerciaux souvent, mais ici, c'est peut-être le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que la rénovation du Théâtre de l'Ancre va finalement booster un petit peu les promoteurs qui sont propriétaires de la tour Interbéton, qui est là tout à fait un champ. C'est quand même chouette que le culturel impulse ce genre de choses. Oui, je crois que c'est aussi une des missions du culturel, c'est de voir comment est-ce qu'il peut être véritablement en lien avec les autres acteurs économiques d'une ville. Et on se rend compte, quand on annule le Festival d'Avignon, c'est une perte pour des milliers d'emplois et des milliers de personnes. Donc le culturel vient en soutien d'une activité, vient par moments en effet en esprit novateur avec des nouvelles idées, mais doit vraiment travailler en commun, de pair avec, ben, là en effet, un projet d'une autre ampleur. Encore, ça va être deux tours énormes, le projet River Tower. Et c'était voilà, formidable de voir l'entrepreneur qui ne vit pas du tout ici venir à notre conférence de presse et en effet être très heureux de savoir qu'il y a ce nouveau bâtiment qui va voir le jour ici pour les centaines de familles qui vont venir vivre dans cet endroit que lui va construire. C'est-à-dire les travaux vont commencer d'ici peut-être 2-3 ans. Alors ça va se passer comment? On va continuer les activités malgré tout? Oui, les travaux commencent dans maximum un an. Hein, donc on est vraiment dans la phase là, d'études, d'analyse. Il y aura 2 voire 3 ans de travaux. Et effectivement, l'idée, c'est plutôt de se dire qu'il faut déménager. Ça va être difficile, il faut être clair. Ça sera une mutation qui ne sera pas que simple. Mais je crois vraiment qu'il faut laisser travailler au mieux les équipes sur place, les suivre pour que le projet soit le plus adapté aux besoins, aux nécessités du travail. Mais vraiment, trouver un lieu le mieux adapté. Là, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées pour vraiment, nous, accueillir le public dans cette transition le mieux possible. Alors, cela dit, il y a déjà des partenariats qui existent avec le Palais des Beaux-Arts, les Dénes, etc. On peut imaginer à un moment donné que vous occupiez à un certain moment ces salles ou d'autres. Oui, c'est ça. C'est une possibilité, effectivement. Il y a en effet d'autres pistes aussi à explorer. Ce que je ne voudrais pas, c'est être complètement séparé entre l'équipe et le plateau, puisque ça fait vraiment partie de notre mission première qui est la création. Et l'équipe a toujours été au plus près des créations, des artistes pour être dans ce... cette relation indispensable entre un lieu de création et des créateurs. Jean-Michel, bon boulot. Merci.